Découvert en 2011 dans les Ch'tis à Ibiza, Vincent Shogun est rapidement devenu un candidat emblématique de télé-réalité. Après l'arrêt de l'émission, le bout en train toujours prêt à faire la fête n'a pas quitté pour autant le milieu. Les téléspectateurs ont ainsi pu le retrouver dans Les Anges 9, sur Énergie 12, puis dans La Villa des Cœurs Brisés 4, sur TFX. En parallèle, Vincent est apparu dans plusieurs saisons de Marseillais mais également dans le cross qui opposait les Ch'tis aux célèbres sudistes. Son dernier tournage remonte à 2019, lors de la quatrième saison de Mounodir et les Apprentis Aventuriers. Vincent Shogun @Instagram car il s'est vite laissé griser par les strass et les paillettes et a subi le revers de la célébrité de plein fouet. En effet, Vincent a fait un court passage en prison, qui l'a profondément marqué, après avoir été mêlé à une affaire de stupéfiants. Cela lui a valu de se faire blacklister par les productions, soucieuses de ne pas ternir leur image. Un boycott que Vincent a très mal vécu, comme il l'a déclaré au cours de nombreuses interviews. Au passage, il en a profité pour balancer sur les coulisses des tournages, affirmant que de la drogue était parfois librement fournie aux candidats. Une nouvelle vie loin des caméras comme nombre de ses anciens collègues, Vincent s'est mis en couple devant les caméras à plusieurs reprises. En 2012, lors du tournage des Ch'tis font du ski, il a un coup de foudre pour Hilary Van der Rossiéan, qui succombera rapidement à son charme. Les deux candidats se sont même mariés à Las Vegas, dans la quatrième saison de l'ancien programme phare de W9. Mais alors qu'ils s'étaient unis pour le meilleur et pour le pire, Vincent et Hilary ont rompu en 2015, au grand dam de leurs fans. Depuis, la jeune femme a refait sa vie avec Giovanni Bonami, avec lequel elle élève deux enfants. Quant à Vincent, ce dernier a quelque peu papillonné avant de retrouver le grand amour. Il a vécu de brèves idylles avec Kim Glo, Mila Jasmine ou bien Virginie Comte. Mais tout a changé en 2021, lorsqu'il a fait la connaissance de Cléa Hanafi. À présent, Vincent est un homme nouveau, transformé par l'amour. Celui qui est devenu papa malgré lui semble enfin guéri de ses blessures passées et a définitivement tourné le dos au milieu qu'il a mis en lumière. Reconverti dans le BTP, il mène une vie paisible auprès de sa nouvelle chérie. Pour ses beaux yeux, il n'a d'ailleurs pas hésité à quitter son or natal pour s'installer à Reims, où réside Cléa Hanafi. Mais les amoureux viennent de quitter la ville pour le calme de la campagne, comme vous avez peut-être dû le comprendre, nous avons déménagé de Reims. Notre future destination reste la Champagne-Ardenne, région dans laquelle je me sens bien. La ville, s'y est-il bien. Mais j'ai toujours préféré la campagne et la tranquillité. Confiait Vincent, il y a quelques jours. Vincent Shogun et Cléa @Docteur bientôt le mariage. Et cette sérénité fraîchement retrouvée devrait grandement aider Vincent à sauter le pas avec Cléa. Lors d'une session question-réponse organisée ce mercredi 9 août sur Instagram, les internautes lui ont demandé s'il avait l'intention d'épouser sa belle, à quand le mariage? Lui a envoyé l'un d'entre eux. Et apparemment, le natif de Rouvroy avait déjà prévu de demander la main de celle qui fait battre son cœur, quand je ferai ma demande et c'est pour bientôt. Je l'aime tellement, ma princesse. Lancé dans ses déclarations, Vincent a expliqué pourquoi il avait décidé de se mettre au vert avec Cléa, qui lui est d'un soutien inconditionnel, bien qu'elle ait la langue bien pendue, l'insécurité ne cesse d'augmenter. Si est-il triste.
vouloir violer notre intimité par jalousie ou pour voler des objets de valeur, de l'argent ou autre chose, si est-il pitoyable. Et, surtout, on vous a vu malgré vos vêtements noirs. Bref, force à Jerem Star qui subit des cambriolages à répétition. Restez connectés.